Bonjour, j'ai fait une vidéo courte pour vous expliquer un droit fondamental que toutes les personnes à partir de 65 ans ont droit en France. Ça s'appelle l'ASPA. Alors, l'ASPA, qu'est-ce que c'est? C'est anciennement ce qu'on appelle le minimum vieillesse. C'est attribué à toute personne à partir de 65 ans, donc, vivant en France. Alors là, vous allez sur le site indica-service-public.fr particulier vos droits. Alors, je vais commencer par le cas où vous vivez seul. Et je mets vous êtes de nationalité française. Alors si je mets oui j'ai une pension de retraite, je vais mettre ça à tout hasard. Alors je vais mettre afficher les informations. Donc vous vivez seul, vous êtes de nationalité française. De quoi s'agit-il? Vous êtes célibataire, veuf, veuf de guerre, divorcé, etc. Donc vous vivez seul. Et l'âge minimum requis pour le cas général, c'est 65 ans. Condition de ressources. Alors là, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que vous pouvez en faire en la demande. Si vous vivez seul et que vous avez 65 ans en France, vous êtes de nationalité française, vous résidez en France, c'est un droit qui vous est accordé à tous, donc, et qui permet de compléter vos revenus pour avoir 961 euros par mois. 961 euros par mois, c'est quasiment le double du RSA. Moi je suis au RSA depuis des années, je suis à 520 euros par mois parce que je touche de l'APL. Et là, à part si vous êtes à 65 ans en France et que vous n'avez pas des ressources suffisantes, les institutions vous donnent le complément de revenus pour avoir 960 euros par mois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce complément là, c'est quand vous êtes seul et que, et évidemment, c'est pour compléter vos revenus. Hein. Par contre, alors les conditions, alors c'est que, enfin, il n'y a pas de retour. Hein. Là, vous n'êtes pas obligé de rechercher un emploi, etc. C'est pour vous permettre de vivre. Hein. Donc, 960 euros par mois, c'est ce que touche une personne seule. On va passer maintenant au cas où vous vivez en couple. Donc là, je tape vivez en couple, voilà. Afficher les informations. Donc, je regarde les montants. Alors, les conditions de ressources ici. C'est que si vous vivez en couple et que le couple a des montants inférieurs à 1492,08 euros, eh bien, le service public vous verse un complément pour atteindre ces 1492 euros par mois, donc ce qui fait 700 euros pour un couple. D'accord, 700 euros. Alors ça, c'est hors APL, hein, enfin, c'est hors logement. Vous vivez en couple, alors c'est vrai que c'est moins avantageux que de vivre seul. C'est-à-dire que là, vous avez 1500 euros, donc ça fait 750 euros par personne. Mais ça fait tout de même plus que le RSA. Hein. Le RSA, c'est 520 euros si vous touchez APL. Alors, le minimum vieillesse, donc l'ASPA, c'est pour toute personne qui est âgée à partir de 65 ans. Et les ressources qui sont prises en compte, c'est vos revenus. Hors revenus de la CAF, comme par exemple l'APL. L'APL n'est pas inclus dans les ressources que vous percevez. C'est ce que vous touchez en plus. Hein. Donc en France, quand une personne dit qu'elle est seule et qu'elle touche 700 euros par mois, eh bien, désolé, mais vous pouvez toucher jusqu'à 960 euros par mois. Alors j'en profite pour dire que Emmanuel Macron, pendant son mandat, dans le quinquennat précédent, il a augmenté le montant de ses minimums vieillesse, passant de 800 à 960 euros par mois. Donc Emmanuel Macron a fait un geste énorme, il a augmenté de 20% le montant du minimum vieillesse. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que le régime général des retraites, il est appelé à disparaître. Hein. De toute façon, c'est clair et net. Le montant total de qu'il faut travailler, c'est 43 ans. Alors si quelqu'un qui a fait des études, qui a terminé à 23 ans, 43, ça fait 66 ans, donc il ne pourra pas toucher sa retraite avant 66 ans. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que Emmanuel Macron, il est pas si con que ça. Hein. S'il a imposé la retraite à 65 ans, c'est peut-être parce que pour les personnes qui n'avaient pas cotisé suffisamment, ils pouvaient toucher le minimum vieillesse entre l'âge où ils partaient en retraite et l'âge légal de départ à la retraite. Après, c'est vrai que c'est les allocations chômage, mais on voit qu'il y a quand même un lien là entre l'âge de départ à la retraite et l'ASPA, enfin le minimum vieillesse. Et il y a énormément de gens en France qui ont droit, hein, ça c'est clair. Des couples qui à deux touchent 1480, puis, enfin presque 1500 euros par mois. En France, il n'y en a pas énormément, il n'y a peut-être même pas 50%. Donc voilà, c'était donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en France, quand vous êtes seul à la retraite, vous ne pouvez pas toucher moins de 960 euros par mois.
Voilà, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer qu'en France, on n'est pas si mal loti que ça. À très bientôt pour une prochaine vidéo.